Ce qu'il faut retenir, c'est que si on demande un avis d'expert sur un très très vieil arbre, déjà vous allez être prudent sur les stimulations sur la chronologie, et puis votre objectif, ça va être de savoir si l'arbre qu'on présente est à l'état de colonie ou à l'état d'individu, si c'est une colonie par multiplication ou par division. Si elle est à l'état d'individu, est-ce que c'est un arbre sénescent ou un arbre très gros qui n'est pas sénescent? Alors comment faire ça? Eh bien, il n'y a pas 36 façons. Parce que les arbres très âgés, en tout cas qui valent le détour, pour lesquels on fait intervenir un professionnel, on fait faire un devis, on est prêt à débourser pour avoir un avis, ce sont souvent des arbres remarquables, dans le sens où ils sont très gros, très vieux, etc. Et lorsqu'on arrive, pour la première fois qu'on découvre, on est souvent un petit peu assommé par la montagne végétale qui se présente en face de nous, et il faut y aller méthodiquement. Voilà, je vous présentais très brièvement une étude récente qui s'est faite sur un IF, Flexus lacata, en Normandie. L'âge estimé par je ne sais pas qui est d'environ 8 à 8 siècles en bilan. Ce n'est pas un arbre très haut, 17 mètres. Par contre, c'est un arbre très ample, 28 mètres d'envergure. Circonférence du tronc à 1 mètre du sol, 9,50 mètres en 1890, 11 mètres en 2002. J'ai un grand angle, mais même le grand angle, on n'arrive pas à prendre l'arbre entièrement. Vous avez le tronc de cet if qui est assez incroyable. Il est tellement creux que les habitants ont installé une chapelle avec une porte et on peut rentrer dans cet arbre à 5-6 personnes. Vous voyez l'entrée de la chapelle, c'est un arbre assez connu. Et on m'a demandé de venir parce que un dépérissement a été constaté en 2013 sur cet arbre. Alors il y a une vue aérienne. En fait, il y a deux arbres. Il y a un if ici qui est très grand aussi. Et celui qui nous concerne, c'est celui-là. Et en rouge, vous avez la partie rouge délimite les branches avec un déficit foliaire, les branches rouges. Donc c'est quand même très impressionnant, la partie qui est en situation d'éclosion. La seule façon de s'y prendre pour ne pas être en situation d'infériorité par rapport à cette masse géante, c'est de s'obliger à faire une cartographie et une représentation schématique de l'arbre. Donc il faut s'obliger, même si on ne sait pas dessiner, même si ça va prendre du temps, on se demande comment on va s'y prendre. Si on ne fait pas une représentation schématique de ce type-là, on se perd dans toutes les branches et on ne sait pas par quel bout prendre l'arbre. Donc là, vous avez deux représentations de l'arbre, un côté porte et un de l'autre côté. Faire ça, et pourtant c'est vraiment une partie de l'arbre, c'est simplement l'insertion des branches, ça va permettre de numéroter chaque branche. Et du coup, les branches sont identifiées, et à chaque branche ainsi identifiée, il est possible ensuite de faire une analyse architecturale. Donc vous voyez, diagnostic de chaque branche maîtresse, vous avez les numéros des branches, vous avez leur statut, est-ce que c'est une branche morte, est-ce que c'est une branche vivante. Vous avez, est-ce qu'il y a la présence d'axes morts en tête? Oui ou non? Est-ce que la ramification est normale ou est-ce qu'elle est appauvrie? Et puis, vous avez, en dernière colonne, les suppléants. Est-ce qu'il y en a? Si oui, est-ce qu'ils sont vigoureux? Rien que ça, c'est finalement assez simple à faire. Personne ne le fait. Et pourtant, ça a des avantages indéniables. Tout de suite, on fait une synthèse sur les parties qui vont bien, les parties qui sont condamnées, les parties qui sont en situation critique. Ça, c'est l'intérêt-là. Le deuxième intérêt, c'est que comme toutes les branches sont numérotées et que vous laissez dans votre rapport la cartographie, les schémas, on peut suivre l'arbre au cours du temps. Parce que la mémoire de l'homme, elle n'est pas fiable. Un tel va dire, ah, ben, l'année dernière, cette branche, elle est mieux. Ah non, on va dire, bref, c'est pas la peine d'écouter les gens, on n'a pas de mémoire. Donc vous avez quelque chose qui n'est pas discutable, vous avez votre cartographie, et quand vous partez, vous dites au gestionnaire, chaque année, vous refaites le point avec ce
Est-ce que les suppléants sont apparus? Est-ce que les suppléants sont morts? Est-ce que la branche est morte, etc. Ça, c'est vraiment le conseil que je vous donne. Après, face à un arbre un peu particulier comme celui-là, il ne faut pas s'arrêter qu'à l'architecture, il faut aussi regarder l'intérieur du tronc. Et là, vous avez une coupe transversale du tronc. Vous voyez le tronc, ça c'est la partie, c'est le bois vivant puis le bois mort. Alors la porte, là à l'intérieur, vous avez un plancher, vous avez l'autel, vous avez de la lumière, bref. Et puis, eh bien, j'ai localisé les racines. Vous voyez les racines ici, qui se trouvent à différents endroits. Ça là, c'est le plus visible, sinon on a des tapis racinaires à l'intérieur. Et est-ce que ces racines, elles sont à proximité de quelle branche? Les racines sont à proximité d'une branche qui porte des suppléments. Si oui, est-ce que ce ne sont pas les racines du suppléant? Et de petit à petit, comme ça, on arrive à la conclusion. Est-ce que c'est un arbre individu, un arbre de l'arbre, mais face à un arbre connu, avec donc chaque branche doit être traitée comme un petit arbre.